18h23 dans les couloirs du centre de congrès de Tours avec un militant du FNJ de l'Indre-et-Loire, c'est même le chargé de mission départementale. Régional, du centre, Fabien Olivier, 25 ans. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée du congrès du Front National et du discours final de Jean-Marie Le Pen? Alors, j'ai trouvé que le congrès était très instructif, notamment au niveau des cantonales, parce que je vais être candidat moi-même, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et le discours de Jean-Marie, je l'ai trouvé très émouvant. On avait la larme à l'œil, lui aussi d'ailleurs. Et on a senti qu'il donnait là tout son amour pour la patrie dans son dernier discours en tant que président. Et j'ai trouvé ce moment-là vraiment magique. Alors il me semble que tu as été interrogé par un journaliste de la Nouvelle République, c'est le grand journal de la région Centre. Qu'est-ce que vous avez retenu, les trois mots que vous avez retenus, qu'est-ce que tu as dit en fait? Alors quand il m'a posé la question, les mots que Jean-Marie a prononcés, que j'ai retenus de son discours, je lui ai dit tout simplement l'amour de la France. Ça tient en quatre mots, c'est tout simple. Et c'est vrai, c'est ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen en filigrane, en déclinant un petit peu son parcours politique, mais aussi son parcours dans la vie, avec différents passages un petit peu complexes, par la pauvreté, la misère, et puis le fait d'avoir constamment se débrouiller soi-même. Pour ce qui est des enjeux partisans du Front National, demain, on saura bien sûr qui est le nouveau président du Front National. En l'occurrence, c'est une présidente, on le sait depuis hier soir, même si ça n'est pas déclaré officiellement. Qu'est-ce que tu penses du résultat, à savoir 68% pour Marine Le Pen, nouvelle présidente? Je suis très satisfait du résultat. Je faisais partie du comité de soutien à Marine, donc forcément, une petite honneur en plus, hein, parce qu'on a quand même un peu travaillé pour elle. Je pense que vraiment maintenant on va pouvoir commencer à viser le pouvoir vraiment au niveau de la présidentielle en rassemblant le maximum de Français grâce au personnage de Marine. Est-ce qu'il y a des orientations dans son programme qu'elle a développé durant cette campagne interne qui t'ont plus touché que d'autres? Des orientations économiques ou sociétales par exemple? J'aime l'aspect social de Marine. Elle travaille. Parce que les gens ont assimilé qu'on était contre la migration, qu'on arrêtait d'insister dessus. Mais son orientation vers l'aspect social et le fait de redonner du travail aux Français est un atout pour elle. Donc c'est ça la valeur ajoutée du nouveau Front National qu'on a découvert ce soir avec un de ses soutiens jeunes, Fabien Olivier, merci beaucoup. Et à bientôt peut-être dans une nouvelle journée d'action régionale dans le centre. Très bien, à bientôt. À bientôt.